Énergie. Hit Music Only. Bienvenue sur Énergie, il est 8h03, nous sommes jeudi. Tout va bien ce matin? Mais tout va bien, en forme, oui. Il est arrivé. Yeah, c'est ça. Bonjour Grégoire. Comment ça va? Bonjour, très bien. Pas trop dur le réveil le matin? Non, pas du tout. Je me suis, pour la première fois depuis 10 ans, couché avant 22h. Waouh! Ça change une vie. Rien que pour nous. Oui. Merci. Quand tu fais ça un soir, ça va. Quand tu fais ça toute l'année, tu perds tes amis. Bah, t'as plus de vie, quoi. Tu oublies qu'il y a des restaurants dans la vie. Tu dis ça n'existe plus. Tu es avec nous ce matin pour l'album Le Même Soleil. Il est dispo. Tu vas nous faire un titre en live dans un instant. Je vais poser une question. Tu as mis combien de temps à enregistrer l'album? Deux mois. Parce que sur la pochette, on va vous faire une photo et la mettre sur energie.be. Sur la pochette, on dirait que tu es resté enfermé très longtemps, t'es tout blanc dessus. Cyril est très sympa, hein. Tu fais connaissance avec lui. Non, mais j'aime bien. Non, mais j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai pas beaucoup vu le soleil. Bah, ça se voit dessus. Depuis, ça va mieux là, t'es un petit peu. Non, tout va bien. Non, je suis pas si blanc que ça, c'est parce que c'est derrière, tout est blanc, donc c'est pour ça. D'accord. C'est plus clair que le premier en fait. D'accord. J'étais gris sur le premier. Ah ouais? Là, je suis blanc. C'est vrai. Je vais peut-être être jaune sur le suivant. Ce sera la surprise. Voilà. Bon, alors, ton parcours est un peu particulier, Grégoire. MyMajorCompany.com, c'est le site internet sur lequel tu as été produit. T'as combien de producteurs au total? Sur le premier, j'en avais 347. Sur le second, il y en a 1893. Ah ouais, ils ont ressenti le bon filon, à mon avis. C'est parce que le deuxième coûte plus cher, qu'il y en a plus, ou bien tout le monde s'est dit, ça cartonne, nous on veut aussi gagner un peu d'argent. Ouais. C'est parce que c'est pour les deux raisons. Et c'est aussi parce qu'on a baissé les mises pour qu'il y ait plus de gens et moins de spéculateurs qui viennent. Ah ouais, forcément. Parce qu'avant, tu pouvais mettre plus de 1000 euros. Jusqu'à 7000 euros. Et là, maintenant, on pouvait mettre que 200 euros. Donc, participation. Le principe de ce site internet, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on mise sur des artistes. Voilà, vous croyez en le talent d'un artiste, eh bien vous investissez de l'argent en lui et vous pariez jusqu'à ce qu'il arrive à un certain montant pour pouvoir lui payer donc son premier album. Un album, ça coûte Celui-là, il a coûté à peu près 150 000 euros. Ça dépend parce que l'enregistrement précis de l'album, chez moi, il coûte à peu près 50 à 60 000 euros. Après, on investit aussi dans le clip, on investit dans d'autres choses. Et dans la couleur pour la pochette. Il faudrait prendre en photo parce qu'il est blanc là ce matin. Ouais, mais il est blanc comme tout le temps. Comme un vieux linge, mais. Je peux pas aller au soleil, voilà, ça marche. Il vient comme une écrevisse. Directement. Direct. Grégoire est notre invité ce matin. Si vous avez des questions à lui poser, 30-18 par SMS, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a des auditrices qui ont gagné leur place. On va vous accueillir dans un instant pour y poser des questions à Grégoire. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'elles veulent te voir en vrai. Ça fait une semaine. Je pense. Elles t'ont déjà vu en plus. C'est vrai, vous êtes déjà vu? Ouais, c'est vrai fan. Tu les as appelés en disant je vais être avec le 6-9 si vous pouvez venir parce que les deux là ils vont me faire chier le matin. Donc 3-18 par SMS vos questions à Grégoire qui est notre invité sur Énergie. Là on s'écoute Rihanna avec Only Girl et on va faire un truc dans un instant. Est-ce que tu connais R2-D2 dans Star Wars? Oui, bien sûr. Tu parles le R2-D2? Non, je le comprends mais je le parle pas. Et ben on va voir si tu comprends dans un instant. J'ai entendu. Jusqu'à 9h, Cyril et Isa sur Énergie. Il cartonne en ce moment avec ce single-là, il est notre invité ce matin, Grégoire, qui a pris son petit café, le petit déjeuner. C'est bien, moi j'aime bien quand tu viens Grégoire, parce que d'habitude on n'a pas de petit déjeuner. Donc, est-ce que tu peux venir tous les matins? Je sais pas, parce que je peux pas rester dans le studio avec du liquide. Non, c'est vrai. Je suis obligé d'être en dehors, donc si je viens tous les matins, je vais pas être dans le studio. C'est vrai qu'il y a une règle qui est un peu pénible, c'est qu'on ne peut pas avoir de boisson ici, on peut pas prendre de café le matin. Donc c'est spécial énergie ici. Hein. Tous les artistes nous disent ça à chaque fois, mais c'est la première fois que j'entends France, ça. Tout ça. En France, on peut venir avec de l'alcool dans le studio. Et dans les autres radios, parfait. Tu te rends compte ce qu'on vit? C'est des tortionnaires ici. Tu veux qu'on fait la révolution? Non, il y a d'autres révolutions plus importantes. Voilà, à peut-être faire. Pas pour un café non plus. Est-ce que tu peux nous parler de ton album, mais d'une manière un peu particulière, en R2-D2? Est-ce que tu parles le R2-D2? Ah, c'est pas mal. Bravo. Non, parce que il y a un site internet r2d2translator.com. D'ailleurs, inscrivez-vous par SMS au 3018 pour venir imiter R2D2. Vous repartez avec du cadeau ce matin. R2D2, s'il dit salut Grégoire, ça donne ça. On écoute. Ça arrive. Il veut pas te parler. Il veut pas parler ce matin. Il veut plus te causer. Il est intimidé. Salut Grégoire, il veut pas dire. Ouais, c'est normal. Alors, c'est peut-être parce que tu ne lui as pas dit bonjour. Please. Voilà.
Voilà, tu repars avec ça ce matin. Tu sais que salut Grégoire, ça se dit comme ça. C'est chouette. Oui, pour que tout le monde comprenne, on va le faire en français peut-être du coup. Le nouvel album, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cet album? Bah déjà, je suis blanc sur la pochette. Oui. Non, mais je charrie, c'est pas mal. Au niveau sonore, on va dire. Au niveau sonore, on peut retrouver 11 chansons que j'ai composées. C'est une sorte de chapitre 2. Il y avait un chapitre 1 qui était Toi plus moi. Ouais. Où c'était un premier rendez-vous et où je faisais une présentation générale de mon univers. Et là, c'est comme un deuxième rendez-vous où je rentre un peu plus dans les détails et notamment sur le thème de la solidarité d'un côté et aussi sur les relations humaines et intimes. Ouais, c'est les deux grands thèmes hein, d'ailleurs de ton album. Il y a deux chansons sur les 11 chansons qui sont un peu plus péchues, dont Danse, celle qui passe actuellement, et l'autre c'est On s'envolera aussi, où c'est un peu plus rythmé. Et t'as fait aussi un duo avec Jean-Jacques Goldman. Alors ça se passe comment la rencontre avec Jean-Jacques Goldman? On le harcèle pour qu'il fasse un duo avec nous ou... Absolument pas, non, ça c'est pas le style de la maison. Non. J'ai pas tendance à harceler, non, je lui ai demandé simplement je lui ai dit que je voulais faire un duo avec lui, il a gentiment accepté. Et chez My Merger Company, tu avais des relations plutôt faciles avec la famille Goldman, forcément. Non, le fils a créé effectivement le site My Merger Company, mais il a appris que son père avait accepté le duo après la réponse de son père. Il était même sceptique. D'accord. Sur le fait qu'il puisse le faire. En aucun cas Michael favoriser ça, je pense même que ça aurait peut-être pu ne pas marcher à cause de ça. T'es passé au-dessus du patron, quoi, pour avoir ton duo. Ah, mais je suis passé même pas au-dessus de qui que ce soit, je suis allé en direct, quitte à demander les choses. Voilà, c'est comme dans la séduction, hein, je demande pas au copain de la copine si je peux sortir avec sa copine ou je sais pas quoi. Tu piques les copines des mecs? Non, c'est ça que tu viens de dire. Je parlais de copain à copine, je parlais pas de petite amie. Et attends, dans une de tes chansons, enfin, elle s'appelle Timide justement, t'es plutôt timide en amour ou. Oui. Ça te reflète bien? Ça dépend. J'étais très très longtemps timide, effectivement, dans les face à face pour demander à quelqu'un d'aller boire un verre ou des choses comme ça. Ouais. Là-dessus, oui. Après, dans l'absolu, non, ça va. T'as perdu du temps. Ça sert à rien d'être timide. Faut se dépasser, faut y aller. Ça dépend. Oui, mais généralement, on se dépasse. Mais après, ça dépend comment. Aujourd'hui, c'est les filles qui viennent plus vers toi pour te draguer. Tu dois moins aller dire timidement, tiens, est-ce que tu veux sortir? Les filles avec qui je sors, non, généralement c'est moi qui vais les voir. J'ai pas tendance à sortir avec les filles qui viennent me voir. C'est un tuyau pour les filles. Et les filles, venez au micro. Oui, parce que t'as deux fans qui sont là. C'est rappé pour vous les filles. Venez. Alors, donnez votre prénom, comment tu t'appelles? Anne. Anne, tu es accompagnée par Laurence. Laurence, soyez bienvenue toutes les deux. Alors Grégoire, ne sors pas avec les filles qui vont le voir. Donc qu'est-ce que vous avez à lui dire éventuellement? Pour vous rattraper. Voilà, vous pouvez dire que vous ne l'aimez pas. Peut-être qu'il y a une chance après. Hein. On n'est pas du tout là pour sortir avec lui. On a montré notre admiration. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous le suivez, Grégoire, depuis le début? Presque le début, donc on n'a pas été productrice du premier album. T'en viens juste un peu plus près. Voilà, donc on n'a pas produit le premier album, mais assez vite, on a débarqué dans son aventure et donc on a eu l'occasion de produire le second. Ah, t'es venu chercher ton argent du coup ce matin. C'est pas avec moi qu'il faut voir ça. Grégoire est notre invité ce matin dans le 6-9, tu as pris ta guitare, tu vas nous faire un live dans un instant. Pareil. On va se faire ça, restez bien avec nous, Grégoire est là. L'album dans les bacs, ça s'appelle Le Même Soleil, il est 8h15, on revient dans un instant donc avec Grégoire en live sur Énergie. Ce matin, c'est Grégoire qui est notre invité dans le 6-9 et Grégoire qui est avec sa guitare ce matin. Ouais, ça va gratter. Oui, tu es venu pour nous faire danse en live. Je me souviens d'avoir entendu un truc tout à l'heure et quand t'es arrivé en studio, tu as dit la même chose en disant il y a quelqu'un qui est prêt à faire des choses pour avoir le live. Oui, j'ai entendu ça moi. C'est Aurélie de la rédac qui était là. Non. Ce n'est pas moi. Assume ce que tu dis pour une fois. C'est une des fans qui était là. Qu'est-ce qu'on lui fait faire pour qu'il fasse le live? Ça va? Je sais pas. Non, vu qu'elle assume pas ses paroles, elle a qu'à la faire sortir. Ouais, oh, c'est le ça. Vilain. Tu n'assistes pas au live. Oh non, je suis pas punie. Si, dehors. Non, Grégoire, sois pas si cruel, s'il te plaît. Toi, c'est toi qui as été cruel en faisant croire des choses. Mais c'est vrai, non, mais tu as raison, c'est mieux. Pitié. C'est par là, la sortie. Pitié, je peux rester. Allez, c'est un vrai sadique, le Cyril. Il donne pas le dernier mot, je t'en supplie. Il faut de la sécurité pour que tu sortes. Ça y est, je reste. Je m'accroche. Bon, il y a 12 télés avec des écrans de partout. On avait peur que ça passe pas sur les images. Vous allez voir sur la vidéo qu'il y a des. On a rajouté du logo partout. On peut mettre des autocollants sur ta guitare parce que Fabien, je pense qu'il a un petit rouleau d'autocollants. Ça va être plus compliqué. Ça va aller là au niveau du logo, Fabien, tu veux en rajouter encore? Ah, il s'est déchaîné, hein. Ouais, je pense que comme ça, c'est bon. C'est bon, ok, parfait. Allez, Grégoire, en live. Ce matin dans le 6-9, voici Danse Profiter, c'est une exclu ce matin. Ce rêve auquel tu crois, dis, quand restera-t-il si tu ne bouges pas?
Mais qu'en restera-t-il si tu traînes chez toi, dans l'angoisse inutile si tu ne chantes pas? Dis qu'en restera-t-il de tes éclats de rire? Dis qu'en restera-t-il et tes si beaux délires? Dis qu'en restera-t-il à toujours te complaire dans ce qui est futile, tout ce que tu espères? Dis qu'en restera-t-il, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse. Et danse avec moi, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse. Et danse avec toi cette envie d'être libre. Dis qu'en restera-t-il tout ce pourquoi tu vibres? Dis qu'en restera-t-il si tu dis j'abandonne, comme font les imbéciles la douceur qu'on se donne? Dis qu'en restera-t-il, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse. Et danse avec moi, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse. Et danse avec toi si tu attends bêtement. Dis qu'en restera-t-il à part perdre ton temps? Dis qu'en restera-t-il si tu ne comprends pas que cette vie se défile le jour où elle s'en va? Dis qu'en restera-t-il, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse. Et danse avec moi, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse. Et danse avec toi, allez, danse, 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 allez, danse. Et danse avec toi, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse. Et danse avec toi, allez, danse. Grégoire en live ce matin dans le 6-9. Bravo, c'est pas facile parce qu'en plus la voix le matin, je sais que pour chanter c'est pas le truc le plus évident. C'est-à-dire que quand on se réveille, c'est pas le premier truc qu'on fait d'habitude. Oui, mais on apprend à parler et tout ça. Non, au final, bon, moi ça m'allait ma voix là. Non, mais c'était très bien. Elle était très bien. Mais c'est plein d'artistes qui ne veulent pas venir chanter en live le matin. Ouais. Non, moi ça me dérange pas. Je peux chanter n'importe quand, c'est mon métier. Ouais, c'est ça, quand c'est la passion. Bravo. Mais oui. Merci beaucoup, Grégoire. Merci à vous. On rappelle l'album Le Même Soleil qui est dispo dans les bacs et puis tu seras bientôt en concert en Belgique vers le mois de mars. Non. Le 27, 28 et 29 mai à Charleroi, à Liège et à Bruxelles. Voilà, tu t'es mal renseigné, Cyril. Avril, bravo. Mai, il y a deux mois d'écart. J'ai dit vers le mois de mars. C'est vraiment une fraude. C'était pas tout à fait faux. Donc, merci beaucoup d'être passé. Un petit mot pour tous tes fans belges qui écoutent ce matin Énergie. Eh ben merci à eux de m'avoir écouté. Merci. Mais j'aime beaucoup les Belges en général. Pourquoi? Mais vraiment, je suis pas démago. Et souvent, et par exemple, je me rappelle que le concert au Forum de Liège l'année dernière a été l'un des concerts qui m'a le plus marqué dans ma tournée. Alors en plus Liège, il y a juste une ambiance de dingue du côté de Liège. T'es allé dans le carré après faire la fête? J'ai plus fait la fête quand j'ai fait les Restos du Cœur belge où on était basé à Liège au niveau des hôtels. Et c'est vrai que le carré, oui, il y a de quoi faire. Hein. Notamment et voilà. Il y a de quoi faire. Non, mais il y a surtout. Alors, je peux citer un restaurant. Oui. Il y a les Sabots d'Hélène avec Marc, etc. Et ça, c'était vraiment un beau moment. On y allait souvent à ce moment-là et on a passé de belles soirées à Liège. Donc, c'est là qu'on a une chance de te croiser si tu retournes du côté de Liège. Donc, merci pour l'info. Merci. Pour les fans, c'est passé. c'est là que tu vas manger ce midi que tu l'as cité. Non, pas du tout. Bah non, j'étais à Bruxelles, donc non. Bon, mais merci beaucoup, Grégoire. Tu repasses quand tu veux. On l'espère très vite, forcément. Et puis, au mois de mai pour les concerts. Alors. Oui, sans problème. À bientôt. Merci. Ciao. Dans un instant, c'est votre qui va arriver sur Énergie. On va s'écouter Taylor Swift qui sera en concert aussi bientôt. Ce sera au mois de mai également. Cette fois-ci, je suis sûr, c'est au mois de mai. Là, d'accord, pour le coup. C'est bien, t'as un bon point. Vous allez sur énergie.be pour les infos et les réservations. C'est le 6-9.